Nous allons démarrer notre cérémonie. Pour bien faire les choses, et la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour la paix en Côte d'Ivoire et à Anono. Ainsi donc, avec votre autorisation, nous allons demander à tout le monde sur ce site de se tenir debout. Ensemble, nous allons chanter la Viganaise. La Viganaise de notre pays, nous allons demander à la chorale de nous accompagner. On se met debout pour la Viganaise. Ce micro, un de l'instant. Prédicateuriste, de venir faire la prière d'ouverture. Pambre, tu comprends? Aba, tu comprends? Ah oui, tu comprends? Ali le gros debout, y a qu'à baisser ta tabre. Les gars, homo, les gars, honta. Attends, les parlements du bouton. A honte, les gars, pour les gars, honte. A ses filles, à ses pères, à ses pas. Dominga, le bon goût, si est, nous le con. Vendre un henwa, le bois hindou, et le bon voyage. Après Heme, après Menaka Heme, Salen Kenki, Ali Akwa, Aki de Romain. Menkibi, appelé Bodion, Pewa, Nonoman, Nonoya, Tokusebadon, Lobrehen, Lubongwa Senyaka, Lobrehen, Ludiaka Henwa, Lobrehen, Lobio Saleto, Jon Saintan, et Lenti. Domiga, Achan, Apawa Romain, Pe, Kwa Bia, Menkibi Akwa, Akate Domiga, Loate, Ali Brimbi, Alassana, Ato, Sale, Mangarole, Agin, Bredi, Agin, Dandan. Don't say Tonten, don't say Twendu, don't say Pan, Dominga, Uwaya Ne, Nuhente. I don't know Kube, Nankaman, don't do Abrahem, don't always say Dominga, Luhon, don't say Hanaka moment. Luhon, I don't know Kube Hanaka moment. Lubrehen, Balotumani. Lubala, Lubabi, Lubasa, Lubato, Lubakurame, Dominga, Dominga Tefeku, the men on the Mitentre, a simple, the Bacalotiti, Namitentre, a simple, Amand Moloma, Enqua Lubalu, and Waton, Namibalaco, Abuvato, Dominga, Edina Cantacu, Limpa, the way Hassier, Edina Du, a Jessin, the Poli, the Nomonte, the Poli, the Gazemonte, this is the hand of Dominga. Nous sommes un tiers pour nous vivre au sac de dos. C'est la question complément. Amen. Après la prière d'ouverture, nous allons passer au mot de bienvenue. Nous aurons deux mots de bienvenue. Le premier est de la chefferie traditionnelle du village d'Anono. Et le second, le mot du chef du village d'Anono. Nous invitons à ce pupitre la chefferie traditionnelle pour son mot de bienvenue. Monsieur le chef de cabinet, et monsieur le ministre, gouverneur. Représentant monsieur le ministre, gouverneur. Chers officiels, mesdames et messieurs, en vos qualités, titres, fonctions, tout honneur dû à vos rangs.
révérende autorité spirituelle, nos guides religieux dans la foi, inspirateurs de ce grand moment du rassemblement interconfessionnel, honorables chefs de communauté, mesdames et messieurs, chers fidèles, dynamique population, je voudrais, au nom du chef de terre, doyen d'âge du village, Jacques Alloué, au nom de Diogo Nangui Séverin, chef du village et sa notabilité, vous souhaitez le traditionnel aquaba en ces lieux. Bienvenue à tous. Je voudrais saluer tous les initiateurs de ce moment privilégié qui sont mus de l'esprit d'apaisement, de conciliation, d'amour vrai, de fraternité agissante et vivante. Dieu Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux, vous le rende au centuple. Anono, vous le savez, est sous le feu de la rampe depuis peu. Cet événement ô combien grandiose, hautement spirituel et symbolique, saura redorer le blason de notre beau village. Ce faisant, Anono montre à toute la Côte d'Ivoire et au monde entier le chemin de la réconciliation vraie, du vivre ensemble, de la recherche de l'unité régionale et nationale. Merci de nous faire vivre ce moment magique. Cette prière sera marquée en lettres d'or dans les annales de notre histoire commune. Elle interpelle tout notre pays à l'orée des élections pourtant voulues apaisées et conviviales. Mais il faut le remarquer, le climat est malsain. Plus qu'en 2011, la crise va s'accentuant avec son lot de blessés, de morts, de dégâts matériels et humains, sans que ça n'émeuve nos politiciens de tous bords. Au-delà de ces élections, nous devons vivre. Le peuple de Côte d'Ivoire doit vivre. Si nous mourons tous, mais qui va voter? Fasse Dieu que la lucidité, la vérité et la sagesse nous habitent tous. Comme dit quelqu'un, élection, c'est pas palable. Nous restons et demeurons des frères et des sœurs d'un même pays, d'une même patrie, d'une seule nation, la Côte d'Ivoire. Allah, Nyankan, Niamien, Lagor, Nyonsoa, vous bénissent tous. Union des cœurs, paix des esprits. Vive la paix, vive la fraternité à Anono, pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à la chefferie traditionnelle d'Anono. Nous allons maintenant accueillir le chef du village d'Anono pour son mot de bienvenue. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le représentant du ministre-gouverneur, chef de cabinet, Monsieur Coutouan Jérôme, chers officiels, mesdames et messieurs, en vos rangs, qualités, titres et fonctions, révérends autorités spirituelles, nos guides religieux dans la foi, inspirateurs de ce grand moment du rassemblement interreligieux, vénérables chefs de communauté, mesdames et messieurs, chefs fidèles, chère population, nous vous sommes très reconnaissants pour cette belle initiative qui fera date dans l'histoire du village et qui sera ferment d'unité, d'harmonie chaleureuse et cohésion sociale, du rapprochement des peuples minés par les tiraillements, les dérigements, des conflits fratricides à l'élection nouvelle. La tension reste vive. Les lendemains descendent. Comme en 2011, toute la nation ivoire est durement éprouvée. Ces élections censées conduire le pays
sur le chemin de la vraie démocratie, nous font reculer des décennies en arrière. L'opinion est manipulée. Les peuples se dressent les uns contre les autres. Le droit à la vie est foulé aux pieds. Les populations sont dans la démagogie, les propos haineux et incendiaires pour venir jouer les pompiers et servir après les élections. Ces élections à venir doivent juste être un jeu démocratique et non le prétexte de mettre le pays à feu et à sang. Le souvenir de 2011 et son corollaire de tristesse est encore vivace dans nos mémoires. Vivement que nous soyons animés de retenir de bon ton, de justice, de justesse et de lucidité. Il faut le dire avant, pendant ou après les élections, la Côte d'Ivoire doit exister, continuer d'avancer pour le développement, pour le bonheur de tous les enfants. Dans l'amour, l'attente, la solidarité, l'agissement, la convivialité, la paix et le partage. Face 2, que l'Ivoirien nouveau, renouvelé, retrouve ses esprits, son rire, son sourire, son ambiance habituelle et ses alliances à plaisanterie dans une atmosphère de fraternité retrouvée, de réconciliation pour une société nouvelle, plus juste et plus prospère, sous l'onction et la bénédiction du Très-Haut. Bonne prière inter-religieuse et tous, à tous et à toutes. Vive Anono, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Des ovations nourries pour le chef du village d'Anono. Merci au chef du village pour le mot de bienvenue. Nous rappelons que la cérémonie est vécue en direct sur Regina Africa TV. Vous pouvez donc télécharger Regina Africa TV sur Play Store pour suivre en direct cette cérémonie. Nous allons passer à un cantique pour la paix, la cohésion, l'unité de notre village. Un cantique qui sera donné par la communauté catholique. Mon Dieu, mais pourquoi, mon Dieu, mais pourquoi nous manquons d'amour? Alors que tu as créé le monde avec tant de tendresse et d'amour.
Vivons-nous
S'il vous plaît, des ovations nourries pour la chorale catholique, pour ce beau chant de paix et d'unité. Merci à la chorale catholique. Nous demandons à tous ceux qui ont un téléphone de rester assis. L'émission ou la cérémonie est en direct, alors les déplacements ne sont pas trop intéressants. Merci de votre compréhension. Chers honorables invités, sachez-le, cette campagne de sensibilisation pour la paix à Anono a commencé depuis le 2 octobre 2020 avec toutes les communautés religieuses catholiques, haris, musulmanes, méthodistes. Les 2, 10, 11, 17 et 18, ces communautés ont sillonné les différents lieux de culte pour parler de paix, pour parler d'unité, pour parler de vivre ensemble. Et aujourd'hui, 25 octobre, c'est l'apothéose sur le terrain d'Anono. Toutes ces tournées étaient avec la chefferie d'Anono, et aujourd'hui encore, la chefferie d'Anono est avec nous et a contribué fortement à l'organisation de cette cérémonie. Ainsi donc, dans un esprit d'unité, dans un esprit de cohésion, pour la circonstance, nous avons demandé qu'un seul jeune parle au nom de tous les jeunes de toutes les communautés. Signe d'unité et de vivre ensemble. Également, une femme parlera au nom de toutes les femmes de toutes les communautés religieuses. Signe d'unité. Ainsi dit, je vais inviter à ce pupitre le représentant de toute la jeunesse, de toutes les confessions religieuses pour son message de paix et d'unité. Celui qui a été retenu pour la circonstance est M. Koutouan Akadje Lazare de la communauté Haris. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Le représentant